Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. Alors on repart sur un nouveau guide sur Grounded. Et maintenant on va tester les moustiques. On va voir qu'est-ce qui affecte le plus les moustiques. Quel type de dégâts. On va tester tous les types d'armes. Alors quelqu'un me l'a suggéré et on va tester. On va remplacer pour voir. Hop, on va remplacer notre trident par la lance abeille. Alors l'idée c'est de tester, comme dans tous les guides que l'on a sur la chaîne, de tester tous les types d'armes, parce que depuis la 0.11, chaque arme fait un type de dégâts différent. Donc on a des dégâts tranchants, des dégâts d'écrasement, etc., etc. Une fois qu'on aura déterminé quel est le type d'arme qui fonctionne le mieux sur les moustiques, qui est le plus efficace, donc on a des types d'armes. J'ai pris à chaque fois dans ces types d'armes l'arme la plus puissante, puisque c'est ce que vous allez vouloir essayer, vous, d'utiliser au quotidien. Donc comme ça, ça vous fait un guide qui est fiable. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé ça, on va, comme d'habitude, tester les types de dégâts salés, les types de dégâts frais, puissants, ou alors les types de dégâts épicés. Pour voir qu'est-ce que craint le plus le moustique. Alors, on va démarrer notre guide avec le club, la masse. Donc, on est parti, on va voir combien de coups on tue le moustique. Est-ce que ça l'affecte beaucoup? J'en entends un juste à côté de moi. Il est là. Allez. Premier dégât, on va voir en combien de coups. Je vais arrêter de bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec la masse. Maintenant, on va passer sur l'épée. Et on va voir ce que ça fait. Oui, vous pouvez voir que j'ai essayé d'en emprisonner, mais c'est compliqué. Tiens, si tu peux te poser, toi. Allez. 1, 2, 3. Waouh. 4. Donc là, avec les dégâts de type tranchant, pour une arme, vous pouvez voir, de même level, on a carrément divisé par 2. Donc on n'est plus que sur 4 coups avec l'épée longue. Donc ensuite, on va passer sur la hache. Viens là, toi. 3, 4, 4, 4, 4, viens là, 5, 6, 7, 8, 9, reviens là, 10, alors 10, on n'est pas loin quand même d'avoir la même efficacité que pour la masse, ce qui prouve que ce sont deux armes qui ne fonctionnent toutes les deux pas très bien avec le moustique. Ok, alors maintenant, on va tester avec le marteau. Pas bouger, pas bouger. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 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 viens là, toi. 6, 7, 8, 9, c'est lequel? C'est celui-là? Non, pas du tout. Mince, je l'ai paumé. Ça doit être celui-là, là-haut. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Et le dernier coup. Loupé. Et 17, alors là c'est pour l'instant de loin la pire arme. Ensuite on a testé tout ça, on va passer sur... On va comparer tiens, les deux, on va commencer par le trident et après on partira sur la lance abeille. On va voir qui reste en bas. 2, 3, 4, bah c'était lui. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 coups avec la lance. On va passer. Alors, on va tester avec la lance abeille cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on peut voir hein, par ce test qu'on a mis un coup de plus que le trident. Donc, en fait, c'est pas plus efficace. Même si le trident est prévu pour aller dans l'eau, ça reste une lance de niveau 2. Et la différence de dégâts est même pire avec le Stinger Spear. Alors en plus,
malgré le fait qu'on ait des chances de coups critiques, donc vous pouvez voir. Donc maintenant, on va tester avec la dague. Ah bah tiens, si, celui que j'avais enfermé, il est encore là. Bon, on s'en servira. Et on peut s'en servir, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc on est sur le même nombre de coups que pour les lances. Ensuite, il va nous rester à tester... hop. L'arbalète. Donc si l'arbalète est meilleure, on testera les types de flèches plutôt que les... Allez. 1. Aïe. Deux. Voilà, des gigotés. Trois. Quatre. Voilà, soit un bon sujet de test. Cinq. Donc on voit que c'est encore plus compliqué. Alors, le moustique, il n'y a pas de problème à l'attaquer hein, avec des armes de corps à corps, parce que lorsque vous attaquez un moustique, il va directement venir au corps à corps. Évidemment, vous pouvez essayer, donc on verra en fonction des types de dégâts, et on testera avec les types de flèches différentes, mais on voit que, clairement, les dégâts de type tranchant sont ce qu'il y a de plus efficace. Donc maintenant, on va tester les types de dégâts. Alors maintenant, on va tester donc avec des types de dégâts puissants, et on va voir si ça affecte plus ou moins le moustique. Viens là, toi. 1, 2... Quasiment en deux coups. Donc en équipant évidemment les statues qui aident les épées ou les statues qui aident à faire des coups critiques, on va le tomber en deux coups. Mais c'est pas le but de ce test. Ensuite, on va tester avec des dégâts. Hop. Des dégâts, vous pouvez voir, level 7 de type frais. S'il y en a un qui veut bien descendre. Là, celui-ci. Il y en a là. Waouh! Attendez, il était pas déjà... Il était pas déjà blessé celui-là? On va vérifier parce que là c'était impressionnant. Ah si, il était déjà blessé. Deux coups. En tout cas, on voit que c'est plus efficace hein, que les dégâts de type puissant. Allez, on continue. Alors, on continue. Donc on va tester avec les dégâts de type salé. On a une arme salée. Qu'on va voir si on peut faire mieux que les deux coups qu'on a eu à l'instant. Viens là. Loupé. Non, on voit que les dégâts salés, hein, on va le tomber en trois coups. Je sais pas où il est passé, c'est celui-là. Non, c'en est un autre, c'est pas grave. Trois coups avec les dégâts salés. On va tester avec les dégâts de type épicé. Hein. On regarde, j'ai bien équipé la bonne arme, level 7, épicé. Ah bah c'est gentil ça. Ah bah c'était celui de tout à l'heure. Viens là toi. Un coup. Deux. Trois coups. Donc on voit que les dégâts qu'il craint le plus, ce sont d'abord les dégâts frais, ensuite les dégâts puissants. Mais il y a clairement une préférence avec les dégâts frais. Donc on va quand même tester hein, avec l'arbalète, avec les flèches fraîches, pour voir si vous voulez l'attaquer de cette façon là. On va regarder. On a plusieurs types de flèches. Donc on va équiper notre arbalète. Et on va tester... pardon. Hop. Pourquoi je sais pas pourquoi je rentre dans l'inventaire. On va tester. Donc on a vu tout à l'heure qu'il nous fallait 5 flèches. On va tester avec les dégâts de type salé. Alors il va en falloir peut-être plus de 5 cette fois-ci. Ah peut-être 5. 4. Donc on voit que ça apporte absolument rien les dégâts salés par rapport aux flèches classiques. Hein. On va voir avec les dégâts frais, puisqu'il est censé craindre un peu plus les dégâts frais, du moins sur les armes de corps à corps. Et là, attends. 1. 2. 3. Ça marche. Avec le sharpshooter, l'œil de lynx équipé, vous pouvez arriver à le tomber en 3 coups. Et ensuite, on va tester avec
les flèches de type épicé, ce qui doit être beaucoup moins efficace. Voilà, on le voit, hein. Il va nous falloir 5 coups. Voilà. On va tester, par curiosité, les flèches venimeuses. Là où on en a un. Le problème des flèches venimeuses, c'est le temps d'action du venin. On en a tiré 2 pour l'instant. 3. Donc je pense qu'en laissant le venin agir, on peut arriver à le tomber en 3 coups. Vu que c'est un animal qui... un insecte, pardon, qui se déplace beaucoup, il n'y aurait pas de pertinence à utiliser les flèches poison, ce qui vous obligerait en plus, pour pouvoir le faire rester dans le poison. Bon, on a à peu près la même efficacité, mais c'est beaucoup plus long que les flèches fraîches. Donc je vous conseille les flèches fraîches. Voilà. On en a terminé avec notre guide de moustique. Hein. On a testé tous les types d'armes. On voit donc, si l'on doit résumer, qu'il craint plus les dégâts de type tranchant, et qu'il craint les types de dégâts frais. Donc vous pouvez utiliser une épée, ce qui va être très efficace. Vous allez équiper les statuts hein, qui vont bien avec. Donc par exemple, le statut de combat à l'épée, le maître d'armes. Vous allez équiper le statut qui vous permet de faire des coups critiques, et vous allez rouler sur les moustiques comme pas possible. Ensuite, si vous voulez le faire à l'arbalète, vous allez équiper l'armure fourmilion qui va vous permettre de tirer plus vite. Vous allez équiper de quoi faire des coups critiques, et également l'œil de lynx qui va vous permettre de faire plus de dégâts à l'arbalète. Avec les flèches de type fraîche, de la même façon, vous allez être le maître des moustiques. Donc, j'espère en tout cas que ce petit guide vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les moustiques. Il y a plein d'autres guides qui ont déjà été publiés sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous vous posez une question sur un type d'insecte particulier. On va continuer à les couvrir, mais pour ça, si vous voulez pas louper la suite, il faut être abonné et à cocher la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites fourmis.